Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche et le dimanche c'est Brocamp. Alors beaucoup d'affaires qui ont été faites la semaine dernière. À l'OA par exemple, alors, vous voyez une Atari 2600, j'ai acheté ça avec la Mega Drive première génération. Alors je les ai nettoyées et testées, elles sont tout à fait opérationnelles. J'ai eu le lot à 20 €, c'est une très bonne affaire. Bon. Ensuite, une PS2 avec ses câbles, alors pas de manette. Par contre, bon, le prix 3 €, là je n'ai pas résisté, je l'ai quand même acheté. Donc, et je l'ai testé et c'est une très bonne affaire aussi. En plus, surprise, bon, il y avait un petit jeu dedans. C'est le petit bonus pour 3 €. Suite des brocantes. Donc là, un Walkman, comme vous voyez, il est neuf dans son emballage. 1,50 €, très bonne affaire. Ensuite, on avait besoin d'un adaptateur USB sans fil pour le Wi-Fi du PC fixe. Bon, 3 €, très bonne affaire aussi. Un câble, un adaptateur USB pour manette PS1 ou PS2. Je ne passe pas le prix des câbles maintenant, vous devez commencer à connaître, 50 centimes bien sûr. Enfin, je ne savais même pas que ça existait. Game avait sorti un pack pour la Game Boy Micro. Alors, je vous rappelle ce que c'est que la Game Boy Micro. D'accord, c'est cette petite console sortie par Nintendo. Elle est sympa. Je ne savais même pas que Game avait sorti un pack pour cette console-là. Donc, c'est toujours bon à prendre. Surtout que si la batterie tombe en panne ou quoi que ce soit, on a une de rechange. On continue là avec un lot. J'ai payé un petit peu plus cher, 45 € le lot, qui comprend une Game Gear. Alors malheureusement, toujours pareil, sur les Game Gear, il manque les cache-piles, mais étonnant, elle fonctionne très bien. Le son, le contraste, tout fonctionne, tout est opérationnel, ce qui est un peu étonnant pour une Game Gear, pour ceux qui connaissent, qui a des problèmes à ce niveau-là. Une Game Boy Micro édition Mario, tout à fait fonctionnelle, avec son cache-pile. Et puis un lot d'une vingtaine de jeux, si je ne me trompe pas, 5, 10, 15, ouais, une vingtaine de jeux, donc 4 jeux aussi Game Gear, le tout pour 45 €. Bon, je me suis un petit peu lâché à ce niveau-là, mais bon, ça reste quand même tout à fait correct. Alors maintenant, différentes affaires. Une manette de PS3, je sais même plus si c'est 1,50 € ou 2 €. Bon allez, on va dire 2 € à ce niveau-là. Tout à fait opérationnel, elle fonctionne. Une Game Boy Color que j'ai eu à 3 €. Alors il manquait le cache-pile cette fois. Je l'ai acheté sur internet moins de 3 €, ce qui fait 6 € la Game Boy. Fonctionnelle bien sûr. Des chargeurs, toujours 50 centimes. Ah, une petite affaire aussi, un switch pour HDMI. À 50 centimes aussi, alors très bonne affaire, hein, c'est une dizaine d'euros ça d'habitude. Et Super Mario Galaxy sur Wii, il est complet avec le CD pareillé, 1,50 €, franchement j'avais pas passé à côté. Quelques jeux DS, 1,50 € à 2 € le jeu, alors, vous voyez là il y en a 3, ça fait vraiment 5-6 € pour l'ensemble des jeux, ce qui est une très bonne affaire aussi. Alors maintenant, des jeux PlayStation, le lot à 6 € avec des jeux plutôt sympas, bon, assez connus quand même sur la PlayStation. Bon, un que je connaissais pas trop et à voir comme ça, il est pas trop mal et il est assez bien noté, donc ouais, 6 € les 4, une bonne affaire aussi. On continue avec au niveau de la Game Boy, alors encore une Game Boy avec 3 jeux, 7 € l'ensemble. J'achète, ça fait la verte, on ne l'avait pas encore. Je crois qu'on va commencer à en avoir une belle collection. Ensuite, je continue. Alors, vous voyez un disque dur externe d'un tera. Alors, c'est marqué 10 €. Je l'ai eu à 5 €. Il faut toujours négocier les prix, même si les prix sont pas très élevés. Donc, 5 € le disque externe de 1 tera, c'est une très bonne affaire. Ici, un adaptateur micro USB OTG, 50 centimes hein, l'adaptateur. Un clavier Bluetooth à 1 €,
tout à fait opérationnel. Alors je l'avais acheté pour le Raspberry Pi 3, mais je l'ai acheté un peu en avance parce que pour l'instant la version de Recalbox ne permet pas d'utiliser le Bluetooth intégré du Raspberry Pi 3. Ensuite un lot d'un jeu PS4 avec une Wii complète, hein, bien sûr, avec les manettes, tout ça, je ne vais pas vous les montrer. Le lot à 20€. Donc tout ça, c'est des très très bonnes affaires. Bon, ça y est, là c'est la fin. Alors je ne vous parle pas non plus du four électrique que j'ai acheté pour mon gamin à 10€, complètement neuf, donc un peu encombrant, donc je ne l'ai pas rapporté ici. Ensuite, vous voyez, là ça commence, l'été arrive, il fait chaud, et les brocantes, il y en a beaucoup le week-end, et il y a beaucoup d'affaires à faire. Et je vous dis bonne brocante et ciao, à la prochaine.